à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu la semaine dernière, samedi, à l'ETH Chevalier, le chantier de préparation des terres et de semis de tournesol avec les Massé et la Gaspardo. Et comme promis, vous l'aviez vu en fin de vidéo, l'ensemble qui est juste derrière moi, 8740S avec une PG28 de chez Sanson, 3 essieux à l'épandage. Je vous avais promis quelques images. Donc voilà, c'est chose faite. On est donc sur une exploitation de polyculture élevage de l'entreprise Chevalier. Donc aujourd'hui pour l'épandage, il reste plus grand chose dans la fosse, quelques citernes. Le temps pour moi de faire quelques images, on a un petit peu le temps de faire un petit tour en cabine avec Célestin. Dans tous les cas, bonne vidéo à tous. Vous avez pu voir les images de cet ensemble plutôt sympathique. Je vais aller faire comme premier un petit tour en cabine avec Célestin. Il me semble que c'est la dernière citerne. On va faire un petit tour avec lui tout vite. Bon, ça tourne? Bah oui. C'est la dernière, c'est ça il me semble hein. C'est la dernière. Ça me semble bien. Bon, pile poil. Ouais, attends. J'ai réussi à faire quelques images et puis la pluie en plus s'invite au chantier donc... Il va être temps de terminer. Ouais, il est temps. C'est un agriculteur que vous faites souvent ici? Oui, ouais. 5-6 fois par an. Ah oui, ok, d'accord. Il y a une grande fosse, donc ouais. Ça se remplit vite. Ça se remplit vite. Ouais, puis avec ça, ça se vide vite. Ouais. Du coup, 28 000 litres, je suppose. 28 000 litres, 24 mètres de rampe. 24 mètres de rampe. C'est bien ça. Et c'est un ensemble qui a combien d'années ça? Massé a l'air d'être tout neuf. Le tracteur est installé, ouais. La tonne de 2018. 2018 moi. Ok. Ouais, 2018. Ça va bien, c'est toi qui l'as toujours roulé ou... J'ai toujours roulé. T'as toujours roulé, ouais. Alors, t'es jeune non? T'as quel âge? J'ai 21 ans. Ah ouais, donc tu l'as depuis le début quoi. Je suis arrivé à 18 ans et je suis monté dessus à 18 ans. Là. Et ça tourne toute l'année l'ensemble là? Non. Pas toute l'année. Ouais. On va dire on tourne pendant 3 mois. Ouais, cette période. Ouais. Voilà. T'as le droit jusqu'à la sortie du printemps quoi. Ouais. Bon du coup Sanson c'est pas trop courant par chez moi. Bon il y en a partout quand même, partout en France, mais ouais. Comment ça marche on va dire, tout le boîtier, tout ça, rapidement dans les grandes lignes? Bah ce bouton là c'est pour choisir le mode champ, route ou pompage. Ouais. Et après on fait pratiquement tout avec le joystick quoi. Donc tu déplies ton bras et tout avec le joystick, voilà. C'est ça? Après on allume l'épandage, ouais. Ou on allume le pompage. Et après, au pompage, pas besoin de prise de force. Ok. Et bah, pour une fois que c'est parti, ça tourne. Voilà. Puis le boîtier là-haut, c'est toute ta commande, enfin tes hectares, tes mètres cubes, c'est tout ça. D'ailleurs, t'es pas à combien aujourd'hui? J'ai bon à 30 mètres cubes hectares. Ouais, c'est écrit tout simplement. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Et bah, c'est parti pour la dernière.
on a pu dire au revoir à l'agriculteur. Oui. Toi, tu vas reprendre la route. On prend la route. Moi aussi, je pense que j'ai plus que toi. J'ai 6 heures, moi, donc ça va y aller. Ouais, merci bien pour les quelques explications, en tout cas. Et puis, à la prochaine, peut-être à cet été. Rentre bien. À la prochaine. À plus. Bon, ciao. Bon voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'étais obligé de faire une vidéo pour une petite vidéo de mercredi, c'était quand même pas mal comme ensemble. C'est pas courant par chez moi, ça fait plaisir d'avoir vu ça. La pluie s'est invitée au chantier, mais ça a fait quand même quelques belles images. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !